Bon, c'est pas tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ben, je pense tout simplement, nous sommes en République, il y a alors des lois républicaines. Ce serait aux représentants de ces lois de régler cette affaire. Comprenez que nous sommes dans une situation délicate. Enfin, s'il le remettait dans l'avion, et qu'il ne veuille pas quitter son grand-père et qu'il embarque avec le Bantou. Enfin, c'est une situation qui peut nous apporter beaucoup de problèmes. Oui, c'est vrai. Le temps de ce que vient de dire ce jeune homme n'est pas dénué d'intérêt. Et que si, par hasard, un journaliste venait à trouver ça intéressant, vous avez vu le nombre de pages que remplissent les journalistes? Ça écrit, ça écrit! C'est effarant! Alors, s'il venait à s'intéresser à notre petit négro, je vois d'ici le titre pour l'inauguration de la salle africaine. Les sans-papiers sont dans les rues, les avec-papiers dans les musées. Mais qu'est-ce que vous racontez, enfin? Non mais c'est pas pour moi que j'ai peur, comprenez-le bien. C'est pour le génie africain, lui que vous avez eu tant de mal à ramener, enveloppé dans votre papier bulle, là. Enfin, imaginez qu'il y ait, je sais pas moi, une manifestation. Vous savez ce que c'est une manifestation, hein? C'est rempli de personnalités, les écrivains, les politiques, les artistes, les universités, j'en passe. Et ça gueule, hein. Ouais, c'est le bordel dans les rues, hein. Et qui trinque, le génie africain. C'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que vous suggérez? On achète déjà tous nos cafés au commerce équitable et tous les distributeurs du musée sont solidaires du tiers-monde. Et aussi aux chasses d'eau, on en a des demi-chasses d'eau. Pour au cas où si là-bas il en manque de l'eau, on puisse leur en donner. Et tous nos catalogues sont en vinyle pour sauver leur forêt. Sans catalogue acheté, un baobab sauvé. Ce que je propose, c'est simplement une courte amnésie. On oublie cette alarme, on ouvre la porte du fond afin que ce jeune homme qui a fait un très long voyage sur les genoux de son grand-père puisse aller se dégourdir les jambes à l'air frais. Et hop. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous devrions appeler à vos parents. Et mes parents? Et pourquoi donc? Chez nous, en cas de situation compliquée, on réunit le conseil des anciens. Ça aide à trouver une solution. Non, mais c'est génial tout ça, mais mes parents, ils sont morts. Ben, vous avez qu'à ouvrir ces caisses. C'est fait. Ça n'a rien à voir avec de l'Afrique. C'est des caisses de Roanie. C'est de là un Amérindien. Ces caisses nous arrivent directement de l'Amérique de l'Ouest. Vous êtes sûr qu'il n'y a que des masques, des bijoux et des statues dans ces caisses? Moi, j'en doute.